Bonjour à tous, vous allez bien mes amis. Aujourd'hui, je vais faire les tirages, les signes astrologiques pour mois de mai, pour choisir après devant vous quel signe que je fais aujourd'hui. Alors, j'utilise l'oracle de bleu, l'oracle de Zen pour l'énergie générale et l'oracle Mademoiselle Andera ou Madame Andera, ça. Et l'oracle des anges, j'utilise pour l'amour, pour la sentimentale. Et je tire les cartes de vous. Je donne une information pour les gens qui regardent cette vidéo. Essayez. Voir si vous voulez, hein, je force personne pour liker les vidéos, pour démarrer cette vidéo, pour beaucoup les gens profiter, garder cette vidéo, parce que si vous ne likez pas cette vidéo, elle ne reste pas longtemps dans la ligne, la chaîne YouTube, et beaucoup de personnes qui ne profitent pas garder cette vidéo. Alors, essayez de liker si vous voulez, hein. Je ne force personne, mais j'ai beaucoup de vidéos et c'est dommage pour les gens qui ne regardent pas cette vidéo et les vidéos qui sont peut-être parlées pour quelqu'un. L'autre, si ne parle pas pour vous, ça parle peut-être quelqu'un d'autre. Alors, je tire les cartes. Merci beaucoup si vous likez, abonnez à ma chaîne. Merci beaucoup. Alors. Message, c'est quel signe aujourd'hui pour vous? Les signes de Gémeaux. Alors, les signes de Gémeaux, on commence avec votre tirage. On commence avec l'énergie générale pour les signes de Gémeaux pour mois de mai. Alors, le mois de mai, c'est. C'est aussi votre anniversaire, les Gémeaux. À partir du 21, c'est votre anniversaire. Alors, on commence l'énergie générale. L'énergie générale. Générale énergétique. Générale énergétique. Les signes de Gémeaux, un nouvel l'harmonie. Les gens qui sont bloqués pour les voyages, beaucoup de gens qui pensent besoin voyager, besoin partir, besoin changement. Il y a une nouvelle naissance, un nouvel harmonie, il y a un nouvel départ. Vous êtes guidés. Alors on commence avec l'énergie de voyage. Peut-être voyage intérieur, il y a une nouvelle naissance pour vous. Soit vous sortez une énergie négative, une énergie négative ou un blocage. Un blocage, vous trouvez votre lumière intérieure, ou soit le voyage intérieur, soit le voyage de l'extérieur. C'est une nouvelle essence pour vous, une nouvelle force, une nouvelle énergie. Pour moi, les changements, l'énergie, ou soit les gens qui sont bloqués, partir voyage, peut-être mois de mai, ça commence à bouger. Pour les voyages, les choses, ça va commencer à zéro. Les gens qui travaillent avec l'étranger, peut-être il y a un démarrer un nouvel projet à l'étranger, ou soit les gens qui aiment partir voyage, peut-être mois de mai, à partir de votre anniversaire. Mois de mai, joie, peut-être ça démarrer un projet, ou soit partir à l'étranger. Vous êtes beaucoup courageux, beaucoup vous voulez changer les choses, vous voulez bouger, vous ne voulez pas rester cette énergie. Beaucoup de gens qui aiment voyager ou partir à l'étranger, ou soit les gens qui sont bloqués un projet, pour moi, ça commence à démarrer pour vous. La fin mois de mai, joie, ça commence à démarrer à partir de votre anniversaire, les 21. Mais jusqu'à juin, c'est un changement. Il y a retour le courage et la force intérieure.
nouvelle essence. Suivez le courant et un changement. Vous commencez à trouver votre harmonie intérieure. Vous êtes quelqu'un qui commence à bouger. Maintenant, pour vous, c'est un changement. Un changement de direction. Vous sentez bien-être. Vous commencez à un changement énergétique, au changement de pensée. Et vous êtes aussi besoin de trouver votre lumière dans votre cœur. Vous voyez ces défauts qu'elle fait à l'harmonie, les pensées et les cœurs. Je pense que c'est le lien avec les cœurs. Suivez le corps, peut-être lâchez prise, laissez l'énergie qu'il change pour vous. Il y a un changement, l'harmonie. Alors, l'estompe prison et l'essence. Pour vous, il y a quelque chose de nouveau, ça commence. Quelque chose, un espoir, une vue réalisée. Vivre l'estompe prison, besoin. Prenez le temps, avancez dans votre chemin. Il y a une nouvelle essence, il y a un nouvel espoir. Il y a les vœux réalisés et les jumeaux. Quelque chose, ça va démarrer pour vous. Si vous sentez, si vous sentez prisonnier, vous libérez cette chaîne ou libérez cet attachement énergétique ou les gens qui sont bloqués. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes un guide qui vous guide, soit un guide. Une personne, soit un guide, vraiment un ange qui vous guide pour un changement énergétique. Vous libérez un blocage, ou vous libérez les chaînes ou les blocages. Alors, j'utilise l'oracle de Venus pour voir plus l'énergie. Vous sortez un blocage, les conflits, les problèmes de santé, les problèmes pour les voyages, les gens qui ne sentaient pas bien. À cause de la santé, pour le blocage à cause de la santé. Le courage, besoin de prendre nouvel espoir, nouvelle harmonie. Vous êtes quelqu'un sincère, quelqu'un bien, et peut-être il y a beaucoup de courage. Vous êtes commencé à avoir le courage. Les gens qui sont dans le voyage, blocage, voyage à cause de la santé, à cause du conflit, à cause de beaucoup de problèmes de santé. L'harmonie dans votre relation, votre état d'esprit, vous offrir votre cœur à l'amour nouveau. Vous sentez beaucoup l'harmonie et beaucoup de communication dans votre relation sentimentale, beaucoup de dialogue. Et peut-être il y en a des gens qui sont rencontrés quelqu'un nouveau et qui sont commencés à offrir les cœurs et qui commencent à voir les choses positives qui sont enlevées, un nouvel amour. Alors, vivre l'estompe prison, ça sortit peut-être la ville. Peut-être vous êtes habité la ville, peut-être besoin sortir, besoin profiter le temps et vivre l'estompe prison. Les gens qui sont attachés à une situation ou à une énergie, peut-être les gens qui pensent beaucoup à un travail, à une association ou à un contrat de travail ou à un mariage. Si vous êtes difficile, lâchez prise dans votre relation. Dans le couple, ou soit c'est les gens qui sont mariés ou les gens qui sont attachés à un mariage ou à une séparation avec quelqu'un qui vous êtes marié, ou soit c'est un lien de l'âme sœur, vous êtes senti attaché à une personne, besoin peut-être lâcher prise. L'essence. L'essence, c'est comment commencer une nouvelle énergie. Nouvelle force pour vous démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle essence pour vous énergétique, les changements, vous sortir une énergie. Les gens qui quittent une situation, ils quittent les problèmes énergétiques ou le problème de passé, quelqu'un qui coupe avec une situation et un changement positif pour vous. Suivez les corps, vous êtes besoin guidé. Vous êtes guidé pour moi, soit vous êtes guidé à un guide spirituel, ou soit un ange gardien qui vous aide, ou soit une personne qui vous aide pour suivre les corps, nouvel départ, lâcher prise. L'essence pour moi, l'essence, un nouvel pouvoir, une nouvelle force, une nouvelle énergie, un nouvel équilibre, le masculin et le féminin. Vous trouvez votre pouvoir, une nouvelle essence.
les guides, et l'univers qu'elle vous guide. Vous êtes guidé, l'univers qu'elle vous guide pour avancer dans votre chemin spirituel ou chemin professionnel ou sentimental. Vous êtes vraiment guidé. Alors, on passe les tirages. Tirage pour professionnel, je tire trois cartes. Chaque donneur, trois cartes. L'essence. L'essence a un travail. Ou l'essence a une personne qui est gentille, quelqu'un qui le travaille. Peut-être si vous travaillez avec les enfants, soit vous travaillez de maternité, soit par la crèche, c'est les gens qui travaillent avec les enfants, sage-femme. C'est un travail que vous aimez beaucoup, aider les autres. Vous êtes quelqu'un, vous collez le cœur. Si vous êtes un homme, c'est votre femme qui a un travail, qu'elle travaille avec les enfants, soit sage-femme, soit une personne qui travaille à l'école, ou soit elle travaille à la crèche. Et il a beaucoup de contact avec les enfants. C'est un travail que vous aimez beaucoup, aider les enfants, aider les autres. Vous êtes quelqu'un, beaucoup le cœur à la main. Vous aidez beaucoup les gens. C'est un travail que vous aimez beaucoup. Alors, le projet, je tire trois cartes pour le projet. Le projet qui apporte l'argent pour les Gémeaux. Il y a un nouvel projet ou un nouvel magasin, soit vous faites quelque chose chez vous, vous travaillez à la maison, peut-être vous travaillez avec l'internet, vous faites quelque chose à la maison, peut-être ça porte l'argent, ça porte la stabilité matérielle, ce projet. Les gens qui mettent dans son compte, qu'ils travaillent à la maison, des stands, peut-être par l'internet, soit un projet chez vous. C'est quelque chose qui vous êtes peut-être un travail qui porte une stabilité matérielle. On verra matériel, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est côté matériel. Côté matériel, vous trouvez une stabilité matérielle, vous trouvez quelqu'un qui va aider, soit votre partenaire, soit dans le couple, soit vous rencontrez une personne qui vous soutient, soit professionnel, soit un projet que vous êtes en train de faire. Côté matériel, familial, vous êtes stable. Si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup généreuse, beaucoup donné à les autres, vous aidez les autres. Peut-être vous êtes bloqué dans le passé proche. Pour moi, mais il y a quelqu'un qui le soutient, soit vous rencontrez une personne qui vous associe votre projet, ou soit quelqu'un proche de vous qui fait un projet avec vous. Si vous travaillez dans votre compte à la maison, c'est possible. Alors, l'énergie pour vous, l'énergie nouvelle, énergétique pour les Gémeaux. Vous sentez beaucoup l'amour énergétique, vous sentez bien. Il y a une nouvelle pour vous, il y a une nouvelle, si vous tombez une nouvelle, il y a une nouvelle peut-être dans 9 semaines, 9 mois, vous sentez beaucoup bien-être avec la famille, avec les proches. Vous tendez à une réponse, à un examen qui vous est fait, peut-être dans le passé, qui vous est fait un examen, 7 semaines passées, ou quelqu'un qui a fait un examen, qu'elle tente une nouvelle, qu'elle tente. Il y a une bonne nouvelle, il y a une chance. Votre santé, vous êtes bonne santé, vous ne faites pas de soucis, pas de problème de santé, il y a quelque chose de positif pour vous. Alors, votre famille, la famille, une nouvelle, il y a quelqu'un, une nouvelle entre de l'argent, quelque chose de familial que vous sentez protégé, matériel. Si vous êtes problème dans le problème qui vous êtes, faire beaucoup de soucis familial, il y a une nouvelle, il y a une bonne nouvelle, il y a un équilibre avec la famille. Si vous êtes éloigné de la famille, il y a un retour avec quelqu'un proche de vous qui vous êtes éloigné, qu'il est seul ou soit quelqu'un qui donne une nouvelle, quelqu'un de votre famille qui vient, qui donne une nouvelle.
Alors, côté les proches, l'extérieur, à l'extérieur, vous êtes peut-être bloqué dans le passé, mais vous êtes protégé. Malgré le blocage, vous êtes protégé. Vous êtes bloqué dans le passé, l'extérieur, peut-être le projet, ou soit un travail que vous êtes bloqué, mais vous êtes protégé matériel grâce à les protections, le soutien de quelqu'un qui vous soutient ou quelqu'un qui vous associe à ce projet ou soit quelqu'un de votre famille. Vous êtes protégé malgré le blocage. Vous sortez ce blocage. Voilà. Alors, c'est fini ce tirage. Maintenant, je commence avec les sentimentales pour le célibataire et pour les jours qui sont célibataire, trois cartes. Le célibataire qui soigne un nouvel départ, le célibataire, un nouvel choix. Il y a beaucoup de gens qui soient envie prendre les confiances, les gens qui sont séparés, qui sont tristes. Hein. Il y a une nouvelle essence pour vous, il y a une solution. Les couples, il y a une séparation. Voilà. Alors, les célibataires, vous êtes besoin de confiance pour un choix, un nouvel départ. Pour moi, vous commencez à sortir, vous rencontrez quelqu'un, soit vous êtes avec quelqu'un qui vous a perdu confiance. Les célibataires, soyez confiants à cette personne, prenez les choix, peut-être à une relation, ou soit vous quittez cette personne et prendre une nouvelle direction, et vous rencontrez quelqu'un, ou soit vous prenez les décisions et donnez chance à cette personne. Quelqu'un qui retourne, quelqu'un qui donne nouvelle, quelqu'un qui veut commencer. Soyez confiance en soi, prenez les choses, mettez les choses sur la table et tranchez, bougez. Peut-être vous avez besoin de bouger, réagir, prenez les choses vides, les décisions. Peut-être vous êtes quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour prendre cette décision. Besoin de prendre les décisions. Alors, les gens qui sont séparés, qui sont déprimés ou tristes, il y a une nouvelle essence pour votre relation que vous trouvez une solution, un nouvel départ avec cette personne. Vous êtes commencé à sortir un blocage ou sortir une tristesse ou une dépression. Vous rencontrez peut-être quelqu'un nouveau, soit quelqu'un dans le passé que vous êtes triste, dans le passé que vous sentez une libération et pour commencer un nouvel départ, vous rencontrez quelqu'un nouveau. Ou soit vous êtes donné une chance à cette personne, vous commencez à éveiller, vous trouvez une solution, cette relation sentimentale pour vous. Alors le couple, il y a une séparation pour moi. C'est quelqu'un qui sépare, il y a un problème réglé. Peut-être cette séparation, il y a beaucoup de pertes de l'argent matériel. Les problèmes dans votre relation, peut-être régler un problème de l'argent dans le couple qui vous êtes pensé beaucoup, soit pour une maison vendre ou soit une pension, quelque chose familial qui doit régler par cette séparation. Pour moi, c'est une séparation ou un divorce ou soit une régler un problème, une maison ou une séparation peut-être matérielle régler avec cette personne. Si vous êtes séparés, besoin de sentir mieux dans votre vie, si vous êtes peut-être partagé les biens, peut-être partagé une maison, partagé les frais, peut-être il y a quelque chose, une pension ou un héritage, peut-être vous devez partager avec cette personne pour sentir mieux et sentir libre et commencer une nouvelle direction pour vous, un nouvel départ, un changement de vie. Pour vous. Voilà les Gémeaux, c'est fini. Merci beaucoup les gens qui soutiennent cette chaîne. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.